Autre idée de sortie pour ce week-end, Provence Prestige. 25 000 visiteurs s'y pressaient avant la crise sanitaire. C'est dire si notre art de vivre dans le Sud fait recette. 150 artisans sont présents au Palais des Congrès d'Arles autour des thèmes de la gastronomie, de la mode et de la décoration. À la Provençale, donc, Frédéric Porret et Dalila Iberaken. Provence Prestige retrouve son public en présentiel cette année. L'accueil est chaleureux avec une table calendale prête à recevoir des convives. Ainsi commence le Noël en Provence. Le succès est immédiat. Je prends une photo parce que je veux m'en inspirer. C'est moi qui fais toutes les décorations chez moi et voilà, je m'inspire de tout ce qui est beau. Voilà, et puis je trouve que Noël, c'est quelque chose de très féerique. Cette féerie, les visiteurs en profitent d'autant que l'épidémie Covid repart en France. La décoration, c'est magnifique, c'est super joli, la magie, elle est là. En espérant que ça dure et qu'elle ne nous reconfine pas cette année et qu'on puisse profiter de notre famille correctement. Noël et ses traditions, des valeurs refuges, ce qui n'empêche pas les nouveautés. Pour la ciergerie des Prémontrés, ces nouvelles tendances se développent au contact direct de la clientèle. On a aussi cette année les tout petits bougeoirs pour nos bougies fines, nos bougies fleuristes. Cette clientèle, Anne la rencontre uniquement à Provence Prestige. Nous, on travaille beaucoup avec des professionnels, en fait. Nous, on n'a pas de vente en ligne. Ça nous permet d'être au contact des clients, d'écouter les clients, de savoir les envies de nos clients. Si on me dit 5 fois, ben voilà, oh, vous ne faites pas de crèche rose, ben l'année prochaine, peut-être que vous aurez des crèches roses. Voilà. La Provence culinaire reste aussi une valeur sûre. Le blogueur Hervé Palmieri anime des ateliers toujours à base des produits du terroir, issus du savoir-faire des exposants. Ce que je veux bien, c'est que tu me pèses 100 grammes de miel là-dedans. Sa recette de muffins à base de farine de châtaigne, de miel, d'épices et de crème de calisson est un régal pour les petits comme pour les grands.